trop fort ou pas. Je rebaisserai si c'est trop fort. Que pouvaient bien faire les anciens ici? Cache là. Hop. On a une grosse bête, une bête. Bête. Tenez l'approche discrète. Et merde. Voilà. Un corrupteur. Ça risque d'être compliqué. Et shit. On n'est pas là, on n'est pas là. Cours, cours. Ouais, c'est ça que je voulais voir. Si on pouvait, vu qu'on a 1000 corrupteurs là-bas. Voilà, hop. Et là, est-ce que je peux monter direct là-bas? Ouais, ce serait le feu, mais... Je crois pas trop. On est passé, hein. Une explosion. Run, Oblix. Mais je sais pas vers où va son regard. Ne traînez pas. Ce démon sera bientôt en pleine forme. Un porte-mort de plus pour aussi droit. Bien. Hop 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 hop. C'est sûrement l'un des porte-morts dont m'a parlé Oline. Il porte bien leur nom. Là, comment je sais où il regarde? Il regarde par là-bas? Et donc faudrait que je tue tous les gens par là. Faudrait que lui vienne plus vite. T'aurais resté ou tu étais? De quoi? Mon focus, il fonctionne plus. J'ai désactivé son focus. À toi de jouer maintenant. Je m'en occupe. Je me demande si c'est son point faible. Hop. Il cherche encore. On a un cadavre par ici. Hop. Ok. Et là, on va essayer de passer par derrière. Techniquement, il ne regarde pas là. Non, il ne regarde pas. Parfait.
Et... elle pense que le point faible vient de... là où il y a la fumée. Ouais. Qui a bien pu faire ça? Shit, je l'avais pas vu lui. Et j'ai merde. On va monter par là. Le problème c'est que... Il fait quoi l'ancien truc? 21 de dégâts. Regardez autre part. Allez, regarde autre part. Regarde autre part. Regarde autre part. Le problème c'est que tant qu'il me regarde, je suis dans la merde. Oh c'est bon. BNF. C'est quoi ces faiblesses? Feu et électrique.
la méga. One eternity later. Il est mort. Eh, 9. On récupère notre caillou. Bon alors, cet officier de l'éclipse avait un focus. Voyons ce qu'il y a dessus. Bam. Oh là là là. Oh là 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 là. Ce qu'on a récupéré. Voyons ce que tu as à me dire. Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? L'entité en vie. C'est inacceptable. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Bon, première fois qu'on voit Hadès. Enfin, qu'on l'entend plutôt. C'était quoi ce truc ? Hadès ? Ouais. Mystérieux étranger, t'as vu ça ? Je dois trouver un moyen d'entrer dans la tour. Tiens, tiens, tiens. Attention, identiscan. Encore un de ces trucs. Page, il manque 1%. Oh, ça marche. Génétique confirmée. Accès autorisé. Bonjour, docteur Sobek. Entrez, je vous prie. Ah. Ah. Et du coup, les autres, ils essayent de rentrer là-dedans. Parce qu'on a bien vu qu'ils essayaient de péter le mur pour rentrer là-dedans. Pourquoi ? Pourquoi il y a une guerre entre les autres et eux ? Les arbres cachent des surprises. Ouvre l'œil à l'œil. Ah, déjà que j'ai pas de vie. Bienvenue. Vous êtes en retard de 355 510 jours pour votre rendez-vous. Je suis pas mort, là ? Veuillez monter au 35e étage. Quoi ? 350 000 ? Mais ça fait une éternité. Qu'est-ce qui se passe ? N'importe quoi. Voilà. Enfin, une statue à son image plutôt. Une machine conçue pour tuer. Et il la vénère. Ah ouais. Soyez les bienvenus chez Faro Automate. Il y avait quoi ici ? Qu'est-ce qu'ils y faisaient ? C'était une entreprise. Un groupe de personnes, un peu comme une tribu. Ils construisaient des machines. Ah bon ? L'air. Il ne sent rien. Pas même la mort. Un autre éboulement. Mais je peux passer. Yes. Je suis sûr que je peux utiliser ça pour remonter. Je devrais pouvoir grimper ici. Tu peux rappeler là-dessus ? Non, mais je peux grimper là. Ok, c'est pas par là que je devais aller. Non, pas là, à droite. Non, j'ai dit pas là. C'est bon. Ça devait servir à monter avant.
toujours fouiller. Attends, si je peux pas faire de flambée. Et les flambées, je crois que c'est ce qui me sert à faire des flèches de feu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Hop. Comme ça, je peux avoir d'autres flambées. Voilà. Voilà. Stylé, stylé. On continue. Hop. 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 L'escalade est longue. C'est du métal gelé presque tout le long. Ne me facilitez pas les choses, docteur Sobek. Si les plantes ont pu grimper, je peux sûrement y arriver. Docteur Sobek. Alors, non. Liste d'aller en haut. Moi, je veux la droite. Esprit de contradiction, vous connaissez. Et qu'est-ce qu'on a à droite? Ah mais du coup ils nous disent d'aller à droite. Non, c'est de la triche. Ramasser ou pas? C'est pas. Qui ont commencé lorsqu'ils ont effectué les opérations offensives non autorisées contre des robots et... Des pacificateurs. C'est comme ça qu'ils appellent ces machines. Elles ont été créées pour la guerre, pas pour la paix. Et on monte. À droite. Bam, bam, bam. Feuillage au-dessus. Je dois poser quelque chose. On n'est pas déjà passé par là? Non. Passer en haut, c'est aussi. Jouer avec le feu, la petite, hein. Elle joue avec le feu. Attention à toi, Eloy. Il me faudrait quelques prises et le tour est joué. Hop. Voilà. J'ai réussi. On est haut. On demande ce qu'on va trouver. Toutes les données ont été effacées de cet appareil. Voulez-vous utiliser vos privilèges alpha pour restaurer les données supprimées? Ah oui, je dirais que oui. J'ai essayé. À votre connaissance. Ça fait un bail. Et tes avocats, Ted? Pas besoin. J'ai abandonné les 18 procès à la seconde où tu as atterri. Je suppose que tes données le confirment. Je t'écoute, ça s'annonce vraiment intéressant. On pourrait peut-être se faire livrer le déjeuner, histoire de discuter un peu. Je te connais, Ted. Tu t'es planté quelque part et c'est grave. Sinon, tu ne te serais pas donné la peine de me faire venir ici.
Vas-y, crache le morceau. Il y a un bug dans la gamme char. De tes robots tueurs ? Les pacificateurs, oui, c'est ça. Alors désactive-les. Tu penses bien, Lys, qu'on le ferait si on pouvait. Ils répondent plus. Tu veux dire qu'une colonie s'est mutinée, Ted ? C'est pire que ça. Montre-moi les données, alors. Et j'accepte ce déjeuner. Mais seul. Ted Sparrow a fait venir Elisabeth Sobeck ici. Mais ils se détestaient. Un autre fichier a été récupéré. Ça, ce n'est pas un bug. C'est une catastrophe. Je sais bien. J'ai foiré. Pardon ? Pensons, Lys. Tu as plus que foiré, Ted. C'est l'apocalypse. Tu as conçu une gamme de robots tueurs. Pacificateurs. Qui s'alimentent avec la biomasse. Seulement en cas d'urgence. Et tu les as rendus capables de se répliquer. Une autoproduction limitée, contrôlée. Ce n'est plus le cas. Le bug a brisé la chaîne de commande. Cette colonie ne répond plus qu'à elle-même désormais. Tu crois que... Tout le reste, c'est du carburant. Au rythme où il se réplique, Ted, la Terre sera complètement vide dans une quinzaine de mois. Ce ne sera pas l'effondrement de la civilisation, mais son extinction. J'ai compris, Lys. Comment arrêter ça tant que c'est localisé? Ça ne peut pas être localisé! Tu sais ce que je veux dire? Oui. Avant que ça se sache, c'est ça. Lys, je ferai ce que tu me diras. Analyse la situation, et quoi que tu me conseilles, je le ferai. Je n'oublierai pas cette promesse. Aïe, aïe, aïe. Les robots pharaons ont menacé la vie sur Terre, mais elle a réussi à les vaincre. Le monde des anciens s'est éteint, mais la vie a perduré, sinon on ne serait pas là. Le dernier fichier a été récupéré. Le projet Aube Zéro. Enfin, Lisa. Il doit y avoir une autre solution. S'il y avait un meilleur moyen de réparer tes conneries, je l'aurais proposé. Mais ça... Ça... Quand je t'ai demandé une solution, je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit pire que le problème. Tu te trompes, Ted. C'est peut-être horrible, mais c'est notre seule chance. Signe ma proposition. La signer? Je peux pas signer ça. Si, tu peux. Ça? Lys, en toute conscience, je ne peux pas signer ça. Tu as le choix, Ted. Je sais. Là, je suis dans un ADAV à destination du centre de contrôle robotique, Ted. Dans 15 minutes, je serai avec le général Erez et le reste de l'état-major. Quoi? T'as perdu la tête? À toi de choisir ce que je vais leur dire. Signe, et je leur dirai que la multinationale la plus prospère de la planète finance la mise en place d'Aube Zéro. Exactement comme je l'ai conçu. Ne signe pas, et je veillerai à ce que tous les habitants de cette planète connaissent la véritable origine de ce bug. Arrête, Lys. Pas besoin de me menacer. Je signe. Vois le bon côté des choses, Ted. Dorénavant, tu vas faire ce pour quoi tu es le plus doué. Signer le chèque pour que quelqu'un fasse le sale boulot. Ok. Je suis désolé. Okay, ok. Est-ce que sa solution était si terrible? Qu'est-ce qu'elle a fait pour arrêter les robots? Elle a créé d'autres robots, je pense. Accès administrateur détecté. Ascenseur express bug. Ça ne colle pas. Elisabeth ne peut pas être ma mère. Elle est d'une autre époque. Toutes ces recherches, et je ne sais toujours rien. C'est tout ce que ça t'inspire d'avoir appris tout ça? Tu pleurniches comme un bébé. Essaie un peu de venir me parler comme ça, face à face. Si tu veux. Tu ne réalises vraiment pas à quel point ce que tu viens de découvrir est crucial, Aloy. Je m'attendais à mieux venant de toi. Alors, tu as un visage. Il y a un nom qui va avec? Parmi toutes les questions que tu pourrais poser, c'est celle-ci que tu choisis.
J'ai passé des décennies à fouiller les ruines des anciens, à tenter de résoudre le mystère de leur disparition. Pendant des années, j'ai pensé que les robots Pharo avaient détruit leur civilisation, mais je n'ai jamais pu le prouver. En quelques instants, tu viens de découvrir plus d'informations que moi en une vie, et tout ce que tu veux savoir, c'est mon nom. Bah ouais, gars. Silence, voilà mon nom. Maintenant, essaie de me poser une autre question. Et plus sérieuse cette fois. D'accord, Silence. J'ai bien compris. Je suis venue dans ces ruines pour en savoir plus sur cette Elisabeth Sobek. C'est le cas, mais je ne vois toujours pas le lien qui nous unit. Ni pourquoi l'éclipse essaie de me tuer, ni qui est Hadès. Aucune réponse. Juste des questions qui s'enchaînent. C'est tout à fait ça. C'est pour ça que tu dois élargir ton champ de recherche. Tu verras que tes problèmes sont bien plus importants que tu ne le penses. De quoi est-ce que tu parles au juste ? Ton énigme personnelle s'est changée en un nid de mystère plus grand. Le fil rouge, c'est ton lien avec Elisabeth Sobek. Mais quel genre de lien ? Elle ne peut pas être ma mère puisqu'elle a vécu il y a des siècles. On ignore encore sa nature. La seule façon de le savoir, c'est de continuer à faire d'autres découvertes. Grâce à toi, on vient d'apprendre que les robots Pharo ont un jour menacé la vie sur Terre. Mais le pire a été évité. La civilisation des anciens s'est éteinte, mais la vie a été sauvée. Il faut le croire. Alors, qu'a fait Elisabeth Sobek ? Comment a-t-elle fait pour arrêter les robots et éviter le pire ? Qu'est-ce que le projet Hope Zero ? C'est la grande question. Bon. Es-tu prête à aller chercher la réponse ? Bien sûr que oui. Alors qu'est-ce que tu fais planter là ? Tu es insupportable, tu le sais ? On reprend la route. Elisabeth a dit à Ted Pharo qu'elle se dirigeait vers le centre de contrôle robotique pour annoncer Hope Zero. Cet endroit existe encore, ou ses ruines. Les Océram l'appellent la Nécropole. La Nécropole ? C'est joyeux. Elle se trouve dans les montagnes, à l'est, enterrée sous les restes d'un démon de métal, ou plutôt un BOR-7 Horus, comme on vient de l'apprendre. Je te contacterai quand tu y seras. J'ai hâte. On a vu sur la carte, c'est en haut à droite, là. Merde, là on peut pas voir du coup. Mais là, en haut à droite, il y avait... Il y avait un lieu qu'on n'avait pas découvert. Finalement, Hope Zero, je pense que c'est mettre fin en fait à toutes les technologies de construction de robots, en vrai. Ou un truc du genre. Un truc avec une IUM qui met fin à tous les trucs de robots. Mettre fin à toutes les technologies futuristes qu'ils avaient. Je suis trop chargé. Je miserais là-dessus en vrai. De toute façon, on verra. Hein. Voilà. Oh, génial. Oh, le froid me picote. Salut. Aïe. Je suis pas là. Pourquoi j'ai plus ma monture ? Toujours plus. Bon, va falloir que je me fasse une nouvelle monture, les gars.
La nécropole. Dans l'ombre d'un démon de métal. Super. Ok. Alors. La nécropole. Il y en a aussi à l'intérieur. Génial. Merde, ils m'ont vu. Jeter un œil à cette pièce. Hop. Hop. Bon, j'ai tué lui. Oh. Alors. Dans le bruit d'alerte. Ouais, tu m'étonnes, là il y a les tanks. Là il y a les bestioles qui se rebellaient. Ça va pas être simple d'obtenir une victoire pérenne cette fois. Contact dans 30 secondes. Hé, hey, c'est que ce mec a eu le temps de terminer mon zéro. Si c'est vraiment la fin, ça a été pour moi un honneur de servir à côté de... Silence, tu captes ça? Qu'est-ce que c'est? Tous ces soldats. Ils sont morts ici. Des gens meurent sans arrêt. Continue, cherche quelque chose d'intéressant. On attaque, on coupe les membres et on fait sauter l'effondré. Opération victoire pérenne. Hop là. En tout cas. Attends, t'imagines tes mains si tu descends ce genre de truc là? Oh, t'as plus de main en fait. Soldats dormaient. Comme dans la cabane du cœur de la mer, j'imagine. Journal. La première bataille de la digue de la côte est se préparait depuis longtemps. C'était avant Kalmar. Et les projections étaient bien pires pour l'Est. Pendant 3 semaines, on nous a envoyés dans un bled sur la côte pour former des minutes. Il pleuvait sans arrêt à cause de l'Europe qui cramait déjà. Les préfabriqués s'alignaient à perte de vue. Ils imprimaient encore des baraquements quand le gros de la force a frappé. Les minutes, on faisait des exercices de combat avec eux dans leur propre rue. On faisait semblant de croire qu'ils pourraient avoir une vie ailleurs s'ils faisaient attention. Le pire, c'est que certains nous croyaient vraiment. Plein d'espoir, ils nous harcelaient de questions sur Rob Zero, comme si on en savait plus qu'eux. Franchement, plus on fait ça, plus on ressemble aux robots. Sauf que ils en apprennent à chaque combat. Alors que nous, j'en suis pas sûr. Bah ouais. Journal. 3e bataille de Californie Marine. La colonie vient du Pacifique et... Je ne sais pas si c'était les minutes du coin ou les tarés de la 15e, mais... Ils avaient foutu le feu au vortex d'ordure. Merde. L'océan était en feu. Ce truc était... C'était quoi cet endroit? La première vague de robots est arrivée, couverte de déchets enflammés. Ça nous a laissé un peu plus d'une heure pour les massacrer sur la plage avant que la colonie recalcule sa trajectoire. On les a attirés sur Terre, dans le centre de Kalmar. On leur a fait tomber des immeubles dessus, on a passé le réseau à l'IEM.
les procédures habituelles. Voilà, l'IEM, moi je pense que c'est un truc qui a coupé tous les circuits. Le projet là. Il y avait une lumière comme ces filtres photo qu'on voyait partout dans les années 40. Rappelez, on m'a ordonné de vous signaler l'article 115 de notre politique concernant l'usage non autorisé des cycles de processeurs. La section 115C mentionne toute simulation holographique sans lien direct avec la formation ou l'efficacité opérationnelle. Considérez-vous comme prévenu et amusez-vous bien. Ok. Je sais que ça fait plusieurs jours. Désolé, chérie. Les déploiements sont de plus en plus longs et de plus en plus durs. La colonie arrive à prévoir notre arrivée. On est moins nombreux et il faut qu'on fasse tout le boulot des disparus. C'est comme une entreprise familiale en crise, mais c'est pas ma famille. Je suis pas avec toi. J'essaie encore de te voir, de voir notre vie dans les yeux des gens d'ici. Je me souviens qu'ils étaient contents de nous voir, quand ils avaient de l'espoir. Mais cette lueur est en train de s'éteindre. Je ne reconnais même pas les endroits qu'on défend. La seule raison pour laquelle je me bats, c'est... toi, pour qu'Aube Zéro puisse arranger la situation, quel que soit ce projet. Ok, il en sait rien à propos du projet. Merci pour tes messages, chérie. Le temps passe vite en service actif. En 4 mois, avec les rappelés ravageurs, on a fait quoi? Un métal. 20 largages. Ça devait je pas être très confortable. Je fais des allées et sur la côte ouest. C'était l'âge des métals. Je combats aux côtés de civils, des mecs et des nanas batailleurs. Leur formation se résume à... voici une AED. Si tu vois un robot, tire dessus. Mais bizarrement, ça fonctionne. Un seul lit. Avec la 6ème BRM, la chambre de on a descendu à un Horus à Lithium Beach. On s'est tiré avant que ses copains arrivent, mais ça fait plaisir d'en avoir eu un. J'espère qu'ils en parleront aux infos, chérie. Que tout le monde sache qu'on a une chance de s'en sortir. Il faut seulement qu'on accorde au projet Hope Zero le temps nécessaire, et tout redeviendra comme avant. Ouais, ok. Je peux se défoncer les mains. Maintenant. Ah, parce qu'elle utilisait un truc, mais on le voit pas parce que c'est mal texturé. Ah putain. C'est qu'elle faisait ça à main nue, moi. Là, on peut pas passer. Il doit pas y avoir de courant. Et. Là, je ne veux pas tomber, merci. Non. Bon, je voulais sauter dans le truc en face. La dernière fois que j'ai vu ça, j'étais toute petite. Ça doit être un genre de code. Je devrais essayer de scanner des objets dans le coin. Hey, vous vouliez savoir comment je me souviens du reboot pour la géothermie? C'est très simple. C'est intéressant. Les oiseaux vont au nord en été, à l'est au printemps, à l'ouest en automne et au sud en hiver. Ça vous embouche un coin, hein? Mike le Tekos qui déclame un poème, pas vrai? Nord, est. Je vous étonne. Je crois qu'il a dit ouest et sud, si je dis pas tout. Trois câbles, trois sources. Parfait. En voilà une. Et maintenant. C'est au bon endroit. En haut. Non mais putain. J'ai celui d'à côté. Et deux en bas. Et de deux. Encore une. Ok, l'autre doit être en haut. Je
Si on s'est pas raté. Non, pas elle, putain, j'étais devant l'autre. Oh, je l'ai mal codé. C'est bon. Je crois que ça a marché. Et... des bruits d'outils et des voix. Sûrement l'éclipse. Il doit y avoir une autre entrée. C'est bien là. Il ne cherche pas des réponses, juste des armes. On a un truc par là. Par là. Là. Ok, ça je peux récupérer ce qui me reste. Voilà. Ok. On va essayer d'avoir l'autre en haut là. Il va aller voir là-haut. Enfin, je sais plus. Il va pas aller derrière. On va le tuer silencieusement, s'il vous plaît. Génial. Patience. Eh oui. Ça va être le plus chiant, faut que je tue. Alors lui, je pouvais pas le tuer en émission silencieuse, celui avec son flingue là. On va se faire des flèches.
quoi ça? Flèche électrique, ok. Alors maintenant je peux faire des sauts flèches. Enfin, ça, c'est pas mal ça en vrai. Je vois tellement rien. Je croyais qu'il continuerait. Il est mort tout seul. Voilà, parfait. Hop. À mon tour. Pas mal ça. Bon, je suis au ralenti, mais c'est pas mal. J'avais pas vu tout à l'heure qu'on pouvait passer là. Merci pour tes messages, chérie. Le temps passe vite en service actif. Déjà 4 mois avec les rappelés ravageurs. Je combats aux côtés des civils, des mecs et des nanas. On l'a pas déjà écouté ça ? On forme une belle équipe. Avec la 6ème BRM, on a descendu un Horus. J'espère qu'ils en parleront aux infos, chérie.
que tout le monde sache qu'on a une chance de s'en sortir. Il faut juste qu'on laisse un peu de temps au projet Oops. J'ai entendu ça. Je sais que ça fait plusieurs jours, chérie. Je suis désolé, les déploiements sont de plus en plus longs et on doit tous faire notre part du travail. C'est comme une entreprise familiale. Mais je te vois dans les yeux des gens d'ici. Ils étaient contents de nous voir. Ils avaient encore de l'espoir. Je continue à me battre pour toi. Bilan de situation. 9e brigade de riposte mécanisée. Lieutenant Fiona Morel au rapport. Le moral de l'unité est de plus en plus affecté par les missions de combat contre le fléau Pharo, en particulier quand lesdits combats ont lieu dans des secteurs dont les combattants civils ont subi des assauts intenses. L'étendue et la nature des dommages subis par la garde civile et les civils non armés de ces zones sont indescriptibles. Et ce spectacle suscite un sentiment général de désespoir au sein de l'unité. C'est pourquoi je demande à nouveau que les déploiements de la 9e BRM soient temporairement recentrés sur les bâtiments essentiels à la mise en place. Projet Hop Zero, ouais mais nous on veut savoir ce que c'est. Ames, je ne sais même pas si tu es encore en vie. Les messages que je reçois, ils disent qu'ils sont de toi. Mais ils ont l'air recyclés. Des bouts de phrases à coller. Et tu ne parles jamais des nouvelles que je te donne. La zone de confinement, les recycleurs d'oxygène, les émeutes, inter. Ce qui s'est passé dans la bulle de Dallas, Ames, ce n'était pas les robots. Ils ne me donnent même pas de réponse claire. Quand je les somme de me dire si tu es en vie, ils disent que si tu continues d'envoyer des messages, ça veut dire que tu es opérationnel. Ce n'est pas juste, Ames. Ce n'est pas juste que tu ne sois pas avec moi quand tout s'éteindra. Je t'aime. C'est si triste. Ames, je sais que je t'écris trop. Je suis si fière de ce que tu fais. On l'est tous ici. On a été déplacés à 10 km de la côte, par précaution à ce qu'ils disent. L'école est encore ouverte. Je peux garder un œil sur Andras et Reggie. On ne sait jamais quand et où tu combats. Mais quand les Adaf passent dans le ciel, les enfants leur font des signes. Je crois en toi. Je sais que rien ne sera plus jamais pareil. On pourra y aller après. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça? C'est une carte. Une carte? Mais de quoi? De la Terre. De la planète Terre, Aloy. Elle n'est pas plate comme tu le pensais. Pourquoi je penserais ça? Pendant les éclipses, l'ombre portée sur la Lune est courbe. Notre monde est donc un globe. Et il ressemble à ça, vu de loin. On parlera de ça plus tard. Revenons à nos affaires. Les robots Pharo se sont répandus dans le monde, en consommant tout. On sait qu'Elisabeth a pu les arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Mais comment ? Telle est la question, ma chère. J'ai déjà trop de choses. Wow, ça c'est du robot. L'éclipse. Il bricole le démon de métal. Il ne pense pas pouvoir le réveiller quand même. Génial. Encore un copèche. Et celui-ci bouge.
Génial. On va s'occuper des gardes d'abord. Hein. Attends, il m'a vu? Regarde, toujours plus. Quoi, sa faiblesse? Électricité. Explose. Oh mes gars, il me défonce la gueule l'autre truc là. Jamais défouillé. Ok, alors. On va se faire des mines. Je craque, je craque. Je craque, je craque. Bah ouais mais là compliqué. Allez, on retente. A few moments later. Oh mais putain, mais abusé. One eternity later. Il faut vraiment pas s'approcher. Bon, tant pis, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là et on reprendra la prochaine fois.